Et salut tout le monde, c'est Sandy30000 et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pokémon Bouclier. On continue notre aventure. La dernière fois, on s'était arrêté dans cette ville. Alors bien entendu, vu que c'est le début de la génération, etc., je ne connais pas encore tous les noms de villes. Super potion, d'accord, très bien. J'ai vu qu'il y avait le petit item qui brillait. Du coup, on s'était arrêté ici parce que, eh bien, il fallait qu'on aille faire notre troisième badge d'arène. Et oui, et en plus, ça va se trouver juste devant nous. Regardez, il y a Nabil qui nous attend déjà. Ah, te voilà, Sandy. J'ai chopé le badge feu, j'ai trop géré. Mais j'ai eu chaud. Ah, normal, tu me diras, pour l'arène du type feu. Ouais, bon, en même temps, toi, t'avais l'armée Léon, donc c'est facile, hein. En tout cas, Kabou assure, j'ai sorti les grands moyens et franchement, j'en ai bavé. Fonce, Sanji. Kabou est un grand athlète, mais je sais que tu seras de taille. D'accord, et bien merci Nabil. Donc, du coup, ça va être à notre tour d'affronter Kabou, le champion de type feu. Mais quand j'ai vu la première fois le logo de l'arène, du coup, je pensais que c'était un type combat, moi. Bah, ça aurait été un petit peu plus logique quand même, parce que c'est un samouraï, quoi. Donc, bon. Alors, tac, tac, tac. Oui, on peut y aller. Et du coup, j'ai hâte de savoir ce que ça va être, le petit mini-jeu. Pourquoi il y avait... What? Il y avait Nabil à droite? Mais qu'est-ce qu'il fout là? Mais qu'est-ce qu'il fout là, Nabil? Notre mission d'arène n'a rien d'une mission ordinaire en piste. D'accord, mais pourquoi il y avait Nabil? J'ai pas compris, bon, c'est pas grave. Allez, l'arène de type feu, c'est parti. Oh! Laisse-moi t'expliquer l'objectif de la mission d'arène du type feu. Il faut capturer un maximum de Pokémon pour marquer le plus de points possible. Il faut 5 points pour gagner. Vaincre un Pokémon tapis dans les hautes herbes te rapportera 1 point, le capturer 2 points. Mais garde à l'esprit que tu n'es pas le seul en lice, il y a d'autres dresseurs qui participent. Il faut garder un œil sur tes rivaux et adapter ta stratégie en fonction de leurs actions pour engendrer un maximum de points. D'accord, ok. Que la mission commence. Mais est-ce que les Pokémon que je vais attraper, je vais les garder? Bon, il y a un Goopix là en tout cas. Ah, mais c'était pas lui que je voulais. Un Gripat, d'accord. Kellogg's. Ok, donc j'ai mis Kellogg's au début, hein, bien entendu. Alors c'est une femelle. On va mettre un petit morsure, voilà. Oui, j'ai mis Kellogg's au début, vu que c'est un type haut, normal. Ok. J'ai la trouille enroulement. D'accord. Donc tu vas augmenter l'attaque, la défense aussi, la précision, d'accord. Ok, et le petit, comment il s'appelle, Tritox, il a rien fait. Ok, d'accord, pourquoi pas. Bon, j'ai Prognat hein, sur Kellogg's, donc forcément, ses attaques morsures sont plus puissantes. Il m'a fait jet de sable. Ah, mais attends, mais il me frappe moi aussi. Tritox, là. Ah, il me frappe aussi, c'est pour ça, d'accord, ok. Allez, hop, super. Il est dans le jaune, on va l'attraper. Écran de fumée de Gripat, ne baisse pas. D'accord, ok. Écran de fumée, je connais pas cette capacité spéciale. D'accord. Alors, on va envoyer une Super Ball, allez. J'ai même plus de Pokéball. Il faut que j'en rachète, hein. Absolument. 1, 2, 3. Et c'est capturé. Bon, Gripat, je l'avais déjà. Mais c'est quand même cool. Alors, est-ce que du coup, c'est des Pokémon qu'on garde ou c'est des Pokémon qu'on va rendre après? Je pense que c'est des Pokémon qu'on garde, en fait, hein. Ok, on s'en fout, on peut l'envoyer dans la boîte PC. Alors, Changer marque 2 points, d'accord, ok. Mais il me faut un Goopix. Est-ce qu'il y a d'autres Pokémon là? C'est quoi ça? Ah, c'est un Funessir, d'accord, ok. Un Funessir, très bien. Allez. Alors, il a un Gripat lui. Funessir, est-ce qu'on l'attrape? En vrai, je m'en fous un peu de Funessir hein. On va faire ton broche, il va mourir. Allez hop, au revoir Funessir, merci beaucoup. Ouais mais non, les Pokémon du Nice, franchement, moi c'est pas quelque chose que j'aime, du coup on va vite les dégager. Alors comme vous avez pu le voir, hein, mes Pokémon ont gagné pas mal de points d'XP entre temps. Bon, y a plus rien là, j'ai l'impression. Et Goopix, ok Goopix. Il est trop mignon Goopix, allez on va l'attraper. Un Charby, très bien. Ok, pourquoi pas. Alors Kellogg's n'a pas l'air sûr de lui. Mais si, mais si. Allez, on va lui envoyer une Hyper Ball parce que Goopix, je pense que c'est un taux de capture assez bas quand même. Du coup, une Hyper Ball, pourquoi pas. 2,
3. Et c'est capturé. Parfait, le petit Goupix. Nickel. Bon, bah là, j'ai mes 5 points, du coup. Parfait. Allez, hop, Yawat qui monte d'un niveau. Ah, Machouille. Alors, on va oublier une capacité. Il a quoi comme talent? Ah, il a Prognate. Bah, c'est bien, alors. On va lui enlever Morsure. Et voilà. Machouille. Super. Ouais, donc... Chirac niveau 30, Kidikong niveau 38, Dio niveau 32, Smiley niveau 36, Watt niveau 34. Kellogg c'est vraiment le seul qui n'a pas beaucoup monté de niveau quoi. Mais parce qu'en même temps je l'ai récupéré que tard parce que j'avais fait une session où j'affrontais un petit peu des Pokémon sauvages pour me faire monter de niveau. Mais du coup Kellogg je l'avais laissé dans la boîte PC. Avec l'âge la fourrure de ses 6 queues devient de plus en plus belle et soyeuse. Elle est chaude au toucher. D'accord. Bon bah on peut l'envoyer dans la boîte PC le petit Goupix. Goupix c'est pas un Pokémon que... Enfin j'aime bien Goupix, mais Fenard je l'aime pas trop parce qu'en fait genre sa tête elle est un peu bizarre je trouve. Mais et sa couleur aussi j'aime pas trop. Voilà la mission d'arène de Kabou, plié en deux temps, trois mouvements. Tu vas maintenant pouvoir affronter Kabou le champion de cette arène. Field Changer, go go go. Ok, bon bah c'était un petit défi assez rapide à relever mine de rien. Et on va affronter Kabou. Bienvenue. Comme tu le sais déjà, je suis Gabou, le champion de type feu. Si tu es ici, c'est que tu as vaincu les équipes plantées haut de Percy et de Donna. Bravo. Laisse-moi te dire une chose sur les combats Pokémon. L'entraînement, ça ne fait pas tout. Je sais, c'est ironique venant d'un coach. Tout le monde peut s'entraîner, mais il faut aussi être capable de tout donner dans un moment crucial. J'aime beaucoup l'arène, elle est vachement stylée. Allez, c'est parti. Kabou, le champion de l'arène, veut se battre. Mais il vient d'Alola, lui, parce qu'il a vraiment un nom assez atypique, quand même, hein, Kabou. C'est pas tous les jours que tu vois ça. Ok, alors, Fenard, vous voyez, genre, la tête de Fenard, je sais pas, je la trouve pas incroyable. En soi, le Pokémon est vraiment stylé, mais la tête, je sais pas, je la trouve bizarre. En plus, quand on fait un gros plan comme ça, je la trouve vraiment immonde. Allez, tombe rush, c'est parti. On a une chance de lui faire baisser sa vitesse. Oh, bah pas mal. Oh, bah parfait. La vitesse. Feu follet. Aïe, il va me brûler. Ok, ça c'est relou. Mais bon, après... Eh ouais, j'attaque un petit peu sur le physique, donc... ça va être assez relou. Bon, c'est pas grave. Allez, encore une fois, tombe rush. Oh, vive attaque. D'accord, il sait qu'il va mourir, du coup, il me fait cette dernière attaque. Allez, tombe rush. Hop là. Voilà, merci beaucoup. Au revoir, Fenard. Ok, premier Pokémon KO de la part de Kabou. Et Kellogg qui monte niveau 29. Très bien. Aïe, ça fait mal. Alors, un Arcanin. Eh ben purée, il a de bons Pokémon. Est-ce qu'on pourrait pas envoyer Chirac, bien entendu. Non, non, on va envoyer, je sais pas, peut-être Smiley. Parce que Smiley de type électrique poison, c'est un bon double type, mine de rien. Un nouveau double type aussi. Je l'avais pas mentionné, mais c'est un nouveau double type de la part de cette 8ème génération. Il y a beaucoup de nouveaux double types dans cette 8ème génération. Mais voilà quoi, je pense que contre un type feu, ça peut être pas mal. Intimidation, c'est pas grave. Nous, on joue sur le spécial de toute façon. Alors, on va faire un petit toxique. Parce que lui, je le vois bien jouer sur le spécial quand même. Voilà. Même si Arcanin, on le joue plutôt physique. Je pense qu'il va être spécial. Ouais, hâte. Ok, il augmente sa vitesse. Ou son esquive, je sais plus. La vitesse, ouais, augmente beaucoup. Ok, déjà Arcanin c'est un Pokémon rapide. Mais alors si tu lui augmentes sa vitesse, ça va être assez relou. Coup du, c'est parti. Feu follet, d'accord, il me brûle. Je pense qu'il va me donner la CT feu volé, hein. Je dis ça, je dis rien quand même. Mais feu follet, ouais, il l'utilise à tout bout de champ. Ok, parfait. Et il va mourir du poison. Oh non, il va pas mourir du poison, d'accord. Ok. Bon alors attendez, ce qu'on va faire c'est que déjà on va soigner Torgamore. Parce que je vais l'envoyer en Gigamax. On va lui donner
de l'anti-brûle. Voilà. Et une fois qu'ils vont me demander si je veux changer de Pokémon, là je vais le faire Gigamax. Voilà, de toute façon il va mourir. Ah non, il était physique, d'accord, coup de feu. Très bien. Ouais, mais de toute façon, comme je vous l'ai dit, voilà, il va mourir. Très bien. Et du coup là, il va m'envoyer, je pense, le Pokémon qu'il y a derrière la petite affiche là. Voilà. Un Scolossandre, voilà, c'est exactement ça. Ok, alors, changer de Pokémon, comme je vous l'ai dit, on va envoyer Kellogg's. C'est parti. La musique, je la trouve cool. Des champions d'arène, mais pas quand il y a les cœurs. Pas quand le public s'agite. D'une air, Kabou, tu peux gagner. Fais brûler la flamme qui est en toi. Puise dans tes réserves. D'accord, Scolossandre. J'aime beaucoup ce Pokémon, il est vachement stylé, je trouve. Allez, c'est parti, Gigamax. J'ai pas d'attaque. Oh! Bon, on va faire Litomax, c'est pas grave. Hop là, le Gigamax. Super. Voilà, à partir de là, la musique devient horrible. Super. Il est magnifique, Kellogg's. Kellogg's tout gros. Parfait. Alors, il va méga évoluer. Enfin, méga évoluer. Il va, voilà, Gigamax. Scolossandre fait exploser ton énergie. Dynamax, change d'apparence avec ta forme Gigamax. Comment ça, Gigamax? Attends, moi j'ai pas ça encore. Oh, d'accord, il avait des flammes dans les yeux. Il devient quoi en Gigamax, lui? Bah, il change pas beaucoup, non? Il change beaucoup? J'ai pas l'impression, hein. Bah, il est juste plus gros, quoi. Ouais, il est un petit peu plus gros que un Scolossandre normal. D'accord, ok. Allez, Litomax. Désolé, Kabou, je vais t'écraser aussi par la même occasion. Et voilà. Bon, bah, tout faible. Malheureusement, je t'ai défoncé. Et j'ai mis en plus la tempête de sable. Ok. Et voilà, au revoir. Par contre, moi je veux bien que tu me donnes ton Scolossandre Gigamax là. Je le mettrai bien dans mon équipe. Ok, Chirac qui monte niveau 31. Chirac, malheureusement, il est pas ouf. Mais vous allez voir, il va être bien à partir du moment où on va le faire évoluer. Et je sais où on va pouvoir le faire évoluer. Vous avez fait du super boulot, ton Pokémon et toi. Cette victoire, vous l'avez méritée. 4320 Pokédollars. Eh ben super. Bravo. Tu as su tout donner pour réussir avec brio mon épreuve, qui est souvent considérée comme le véritable obstacle du défi des arènes. J'ai beau avoir des années d'expérience et d'entraînement, cela ne suffit pas face au talent. J'aime rencontrer des dresseurs comme toi, qui me font réaliser que j'ai encore des choses à apprendre. Eh bien merci Kabou, ton équipe et toi, vous irez loin. Je le sens, c'est une belle rencontre sportive que nous avons vécu aujourd'hui. Je te donne le badge feu en récompense de ta victoire. Et ben voilà. Super, notre troisième badge, les amis. Nickel. Vous pouvez maintenant capturer des Pokémon jusqu'au niveau 35. Ici à Galar, les Pokémon Dynamax sont les stars du stade. Leurs combats font partie intégrante de la culture. Et c'est chaque nouvelle génération de dresseurs qui permet à cette culture d'être perpétuée. Tradition n'est pas stagnation, c'est le sang neuf qui nous force à évoluer et à nous adapter au temps moderne. Nous autres adultes sommes là pour vous soutenir, vous, les jeunes. Eh ben dis donc, ils sont sympas à Galar, hein. Sanji, je savais que ça irait pour ton Torgamore et toi, mais sans rire, j'ai stressé de ouf pour vous pendant le combat. Bravo Sanji, tu es à présent détenteur des badges plantes, eau et feu, du bien beau travail. Accepte cette CT pour fêter tes exploits d'aujourd'hui. Et voilà, j'avais raison. Super! Et voici également un uniforme avec le même design que celui de Kabou. Magnifique, non? Ouais, j'aime bien l'uniforme feu, mais je préfère le plante. Vu ta puissance, tu es en mesure d'affronter les champions qui t'attendent à Kickenham et au-delà. Retourne donc t'aventurer dans les terres sauvages et rends-toi à Kickenham. Ah bah, je pense savoir où c'est. Avec nos badges, on n'aura aucun mal à affronter les terribles Pokémon qui se cachent tout au fond des terres sauvages. En route pour l'aventure! D'accord. Bon bah je sais où va se trouver Kickenham, puisqu'on avait déjà exploré en fait les terres sauvages, et on avait carrément bien exploré les terres sauvages, donc je pense savoir où c'est. C'est bon Sanji, on y va! Hein? Waouh, vous êtes venu exprès pour nous dire au revoir? Vous, un champion? C'est parce que vous savez que je serai le prochain maître, avouez.
Beaucoup de challengers ne parviennent pas à obtenir les 3 premiers badges et abandonnent le défi des arènes. Je me fais donc un devoir de saluer le départ de ceux qui y parviennent. Et je ne suis pas le seul. Ah, ils sont là. Ouf, juste à temps. Heureusement que les taxis volants sont là. Sanji, Nabil, bravo, vous avez réussi à vaincre Kabu. Peu de challengers y parviennent. On est vraiment très fiers de vous. C'est pour ça qu'on est venu vous saluer avant votre départ pour les terres sauvages. D'ailleurs, c'est quand même assez rare de voir que les 3 premiers champions d'arène dans les jeux Pokémon, eh ben, c'est les 3 types de départ de nos starters, parce que c'était pas comme ça. Alors, à Alola, du coup, il y avait des défis similaires avec plan de feu et eau, d'accord? Mais j'ai pas l'impression qu'ils se suivaient, il me semble. Et en plus, c'était pas les premiers, parce que le premier champion, enfin, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment des champions à Alola, bref, c'était un type normal. Et le seul champion qui s'y apparente, c'est quand même la région du Nice avec les 3 champions d'arène qui sont dans la même arène. Donc il y a Rachid et ses 2 frères là. Et donc voilà, ils avaient eau, feu et plantes. Pour fêter cela, j'ai préparé un petit chant d'encouragement. On est les champions, on est les champions, on est les champions, non. On est les champions, on est les champions, on est les champions, vous les challengers. Rien ne vous fait peur, continuez de nous faire rêver. Voilà, d'accord. Les champions d'arène qui vous attendent sont tous redoutables, certes, mais ne laissez pas cela vous décourager pour autant. Ayez foi en vous et en votre équipe. Merci Monsieur Kabu, et Percy et Donna aussi. Vous en faites pas pour nous, on ira jusqu'au bout. Après tout, on doit s'affronter en finale. Kikenam, nous voilà, en route Sanji. Et bien voilà, c'est parti. Direction Kikenam, les amis. Et j'avais bien raison, c'était bien le bâtiment avec la tête de dragon, là. Ok. Les terres sauvages, comment on se retrouve? Je vous préviens, je suis plus le même. Bah moi non plus, hein. J'ai bien fait évoluer mes Pokémon depuis. Regarde, Sanji, Kikenam est par là-bas. En vrai, on pourrait foncer direct là-bas. Mais avec notre nouveau badge, on peut capturer des Pokémon bien plus costauds qu'avant. Perso, je pense qu'on devrait pas se priver. On va capturer des Pokémon trop balèzes. Notre histoire continue. Vous êtes toujours aussi niais à ce que je vois. Désolé de doucher vos espoirs, mais le défi... Comment ça, doucher? Désolé de doucher? De toucher, non? Ok. Des arènes. Vous pouvez faire une croix dessus. Le maître doit vraiment être complètement crétin pour recommander de tels minables. Mon pauvre Nabil, tu es incapable de lancer une Pokéball correctement, c'est pitoyable. Tu sais même pas de quoi tu parles, je lance des Pokéballs comme un pro. Et te moque pas de mon frangin, c'est le meilleur maître au monde. Qu'il est pénible, bien, puisque tu ne veux pas comprendre, que dirais-tu d'un petit combat? Tu verras tout de suite l'ampleur du fossé qui nous sépare. Arrête un peu de la jouer. Je sais que dans la mine, tu t'es pris une raclée par Sanji, et niveau combat Pokémon, on est au coude à coude, moi et Sanji. Donc je vais te laminer, c'est QFD. Je trouve que tu parles beaucoup des autres, que ce soit Sanji ou du maître. Serait-ce parce qu'au fond, tu es conscient de ta propre médiocrité? Je vais l'éclater, il va rien comprendre. Il va voir qui c'est qui est médiocre. Ciao Sanji, on se recapte à Kikenam. D'accord, ok, bah il nous laisse tout seul. Bon, en même temps, il fallait qu'ils se combattent les deux là, au bout d'un moment. Alors, waouh. De retour dans les terres sauvages les amis. Et maintenant on a un vélo, donc c'est beaucoup plus sympa. Ok. Bon, allez c'est parti. On va aller à Kikenam. Et du coup, Kikenam c'était déjà... Oh d'accord, un miasme. Oui, Kikenam, c'était déjà un bâtiment qu'on avait déjà vu. Enfin, on avait... Oui, on l'avait vu, on l'avait pas visité, mais on l'avait vu. Ok, Léopardus, je vais juste aller voir là-bas, parce qu'il y a un rayon. Donc, autant aller voir. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un mystère. Bah, d'accord, ok, bon, je m'en fous, c'est pas grave. De toute façon, je pense que les Gigamax, je les ferai en off, parce que c'est pas vraiment très intéressant, c'est toujours la même chose, en fait. Donc, c'est parti, berge de Motorby, un Ronflex... Très bien. Bon, là, il y a vraiment des Pokémon très puissants. Mais pour l'instant, ils ne m'intéressent pas parce qu'il n'y a pas de nouveaux Pokémon. Voilà. Super. Et ouais, il n'y a pas de nouveaux Pokémon. Mais attendez, j'ai l'impression quand même que les niveaux des Pokémon dans cette génération sont quand même assez ouf. Parce que niveau 27, etc., j'ai pas à souvenir que dans les anciennes générations, on touchait niveau 27 au troisième badge, quoi. Oh ! C'est quoi, ça ? Ah, ça doit être l'évolution du petit ! Ah non ! Il est trop moche ! Il est hideux. Il est pas genre trop moche. Niveau 42. Ah oui d'accord, ok, ça rigole pas. Ok, donc ça c'était l'évolution du petit. Très bien. Du petit rond gridou là. Ou rond gourmand plutôt. Rond gridou, c'est son évolution. D'accord, alors voilà.
Et ok, il y a un tarambule. Pourquoi pas. Oh, ok. Les rhinocornes. Et ben voilà, nous voici à Kikenam. On va pouvoir montrer nos badges à ce monsieur. Bonjour, vous participez au défi des arènes? Présentez-moi vos badges, je vous prie. Alors, vous avez bien le badge plante, le badge eau et le badge feu, parfait. Vous avez déjà vaincu 3 champions en comptant celui de Motorbi. Continuez comme ça. Te voilà, ne te fatigue pas à chercher Nabil. Mets ta vie qu'il ne viendra pas. Je ne lui jette pas la pierre, je ferai pareil après une telle humiliation. Comment peut-il regarder le maître en face maintenant? Je pense qu'il va déclarer forfait. Vous là, admirez un peu ces badges d'hume obtenus. Mais ça veut rien dire d'hume obtenu. Ok. C'est parfait, Challenger Travis. Vous possédez bien les badges nécessaires. Donc il a perdu Nabil contre Travis. D'accord. Ce n'est pas tout ça, mais j'ai un entretien avec le président, tu m'excuseras. Mais peut-être qu'il ment. C'est possible aussi. Allez, c'est parti. Kikenam, nous voilà. Et nous voilà à Kikenam. Alors, on m'a dit dans les commentaires que pour faire évoluer mon petit Chirac, voilà, mon petit vert pomme, il fallait se rendre à Kikenam et aller tout à gauche et parler à un PNJ. Voilà. Donc merci à la personne qui m'a expliqué ça. Je crois que c'était sur Twitter, pas dans les commentaires YouTube, mais sur Twitter. Et du coup, le mec va se trouver, je crois, vers là-bas, tout à gauche. Oula. Ok, il y a plein de trucs. Deux capsules attaque plus. Là, il y a quelque chose. Un bandeau muscle. D'accord, ok. Et du coup, il est où le monsieur? Ah, il est là, je crois. Peps, tu connais la rumeur? Bah non. Quoi, vraiment? Mais si, tu sais bien. Il paraît que si on déclare sa flamme à son amoureuse en lui offrant un verre pomme, eh ben, le couple durera pour toujours. En fait, il y a une fille que j'aime bien. Mais voilà, elle va bientôt déménager à l'étranger. Et avant qu'elle parte, je voudrais tout lui avouer. C'est pour ça que je veux un verre pomme. Mais j'arrive pas à en capturer. Bah en même temps c'est hyper rare hein. T'en aurais pas un à me donner par hasard? Bah oui. Donc on donne le verre pomme au garçon. Waouh, un verre pomme, trop cool. Merci beaucoup, t'es vraiment trop sympa. Bon, maintenant que j'ai un verre pomme, j'ai plus le choix. Faut que je lui dise que je l'aime. Désolé, je suis en retard. Qu'est-ce qu'il se passe? Tu voulais me dire quelque chose? Alors t'es prête pour le déménagement? J'ai mis presque toutes mes affaires dans les cartons. Parce que oui, c'est demain qu'on déménage. Ah, ok. J'ai un Pokémon pour toi. Un verre pomme! Waouh, c'est toi qui l'as attrapé? En fait, on me l'a donné. Pardon, en fait, je voulais en capturer un pour te l'offrir, je te jure. Mais voilà, j'ai pas réussi. Oublie ce que j'ai dit. C'est évident que je ne peux pas te donner ce verre pomme. C'est vrai, je ne peux pas l'accepter. Mais même si on va vivre très loin l'un de l'autre, j'attendrai que tu en captures un tout seul. Hein, tu veux dire que... Oups, je dois partir, à bientôt. Et donc voilà, après cette petite scène, normalement, il va pouvoir me donner l'objet qui va faire évoluer mon verre pomme. Dis, t'as compris ce qu'elle a voulu me dire? Bah, félicitations. Merci, mais Ah, mais ouais, j'ai compris, ça veut dire qu'elle aussi. Vraiment, vrai de vrai. Oh là là, j'arrive pas à y croire. Bah, il est bien chanceux. Désolé, je suis un peu chamboulé, je m'attendais pas à ce qu'elle ressente la même chose pour moi. Mais bon, finalement, je te donne ton verre pomme. Et je t'offre ça pour m'avoir aidé à faire le premier pas. Et donc, on a obtenu une pomme sucrée. Alors, verre pomme, il faut savoir qu'il a 2 évolutions. Une dans bouclier et une dans épée. En fait, je pensais que c'était une ligne évolutive parce que je connaissais la famille de verre pomme. Parce que on me l'avait spoilé et je trouvais ça hyper cool, cette famille d'évolution. Genre, une pomme qui devient quelque chose que vous allez voir juste après. Un Pokémon plante dragon en plus, donc c'est incroyable, moi j'adore. Et donc, en fait, si vous parlez à ce PNJ en fonction de votre version, il va soit vous donner une pomme sucrée, soit une pomme acidulée. La pomme sucrée permet de faire évoluer vers pomme du coup dans sa forme bouclier, et la pomme acide dans, enfin acidulée plutôt, dans sa forme en version épée, et je trouve que la version bouclier est quand même bien meilleure. Je vais attraper un vers pomme tout seul, et un jour, j'irai la voir pour lui donner. Ok, bon, merci monsieur, hein. Sur ce, salut. Ben voilà, salut.
Et du coup, regardez ça. On va faire évoluer notre petit vert pomme. Ça doit être ici... Ouais, voilà, c'est ça. Pomme sucrée. Et voilà, apte. C'est parti, on lui donne. Quoi ? Chirac évolue ? Et voilà, il est trop beau, non ? Il est pas genre trop mignon ? Félicitations, Chirac évolue en Dratatin. Et je connais son nom français aussi, Dratatin. C'est vachement stylé comme nom, je trouve. Alors, les données de Dratatin ont été ajoutées au Pokédex. Son corps est recouvert de nectar. La peau de son dos est particulièrement sucrée, constituée jadis le goûter des enfants. D'accord. Ok. Coup de boule. Ah, bah enfin, il a une attaque un petit peu bien. Voilà. Donc, Chirac, il a évolué. Parfait. Et on va pouvoir, du coup, lui apprendre des nouvelles attaques. Mais pour ça, il faut aller direction le centre Pokémon. Et du coup, il va falloir aller voir ce monsieur. Donc, le spécialiste des noms. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Alors. Donc, souvenir des Pokémon. Rappeler une capacité. Voilà, c'est ça. Donc, on va choisir le petit Chirac, qui est juste là. Hop. Et normalement... Je pense qu'il va apprendre de nouvelles attaques. Malédiction, écrasement, vampigraine, balgraine, acide malique. Alors voilà, acide malique, c'est une nouvelle attaque déjà. Donc c'est vraiment une bonne attaque. Oui, on va d'ailleurs lui apprendre aussi vampigraine, des trucs comme ça. Parce que mine de rien, c'est un bon Pokémon défensif. Du coup, c'est bien d'avoir vampigraine, balgraine, etc. Donc il va enlever, je sais pas, repli, ça sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais bon, c'est pas incroyable. Voilà, donc vampigraine, ça c'est bien. On va lui faire oublier une autre capacité. Il a soin ? Ah ouais ? D'accord, il a soin, très bien. Je savais même pas qu'il avait soin. Très bien, bon on va mettre soin à la place de coup de boule. Voilà. Quoique en vrai, on pourrait le mettre à la place de vampigraine, hein, soin. Parce que vampigraine c'est très bien en stratégie. Moi j'adore cette attaque. Mais le problème c'est qu'en aventure, c'est pas super utile non plus. Alors attendez, doux parfum, écrasement, balgraine. Balgraine, je l'ai en plus, hein. Recyclage, ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Par contre, malédiction, on va la prendre. Parce que malédiction, c'est nul sur les Pokémon spectre, mais sur les Pokémon, je crois, hors spectre, c'est quand même une bonne attaque. Ça baisse la vitesse et ça augmente l'attaque et l'attaque spéciale, il me semble, un truc du genre. Donc maintenant que mon Verpomme a plein d'attaques sympas, on va pouvoir lui donner des CT sympas aussi. Alors attendez. Donc feu follet, etc. On les classe. Donc il a Big Splash. Une attaque de type combat qu'on peut lui faire apprendre. Mais alors, je sais pas ce que c'est parce que c'est une nouvelle attaque. Le lanceur utilise son corps pour attaquer sa cible. Plus la défense du lanceur est élevée, plus les dégâts infligés sont importants. D'accord. Sachant qu'il a une bonne défense, ça peut être pas mal. Donc en vrai, on va dégager Vampigraine. Comme je vous l'ai dit... C'est pas que j'aime pas, mais c'est que c'est pas incroyable. Alors après, il y a Kellogg's qui peut apprendre Ébullition. Et Ébullition, c'est une bonne attaque, donc on va lui apprendre. Donc ça dégage, par exemple, Piétisol. C'est pas incroyable, Piétisol. Voilà. Super. On a Dracochac aussi, parce que bien entendu, Chirac est un Pokémon de type plante dragon. J'adore le nom que je lui ai donné. Je trouve ça ouf. Soin, acide malique, Big Splash. En vrai, Big Splash, c'est une attaque physique. Dracochac, c'est une attaque de type spécial. Donc, en vrai, Big Splash, on va pas lui apprendre. Bah oui. J'ai oublié ça. Big Splash, par exemple, Dio peut l'apprendre. On va lui apprendre, tiens. Une attaque de type combat. À la place de repos, Darnué. À la place de Darnué, tiens. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a comme autre attaque? On a Balombre, Contre, Triple Attaque, Vampirisme, Cascade, Puissance, Centrifugif, Plume au queue, Toile élec, Vengeance, Représailles, Boule Rock, Tourbissable. Après, mon petit Dratatin, il a pas... des attaques de ouf non plus. Mais c'est un bon Pokémon défensif, j'ai l'impression. Bon, bref. On va aller voir, du coup, les petits PNJ qui étaient devant l'espèce de grand bâtiment. Sonistrel, ouais, d'accord. Ouais. Juste là, regardez. Et après, on ira faire du shopping à Kikenam. Voilà, juste là. Monsieur le Président, je collecte les badges et les étoiles vœux avec diligence. Je ne vous décevrai pas. Excellente nouvelle, Travis.
Je vois que tu n'oublies pas à qui tu dois ta recommandation. C'est une bonne chose. Si je collecte suffisamment d'étoiles vœux, vous pourrez résoudre votre souci, n'est-ce pas, monsieur le président ? Ah, mon brave Travis, s'il ne s'agissait encore que d'un souci personnel, mais non, il en va du destin de Galar. Il ne s'agit pas seulement de trouver les étoiles vœux, il est primordial de trouver un dresseur qui soit au moins aussi puissant que le maître. Je vous entends bien, monsieur. Sachez que je viens de vaincre Nabil, un des challengers recommandés par le maître. Et cette victoire prouve que mon équipe et moi sommes en mesure de battre Tarak. Parfait, rien de tel qu'un peu d'émulation pour entretenir l'esprit de compétition. Travis, j'aurais besoin de m'entretenir avec toi un instant. Veux-tu bien me suivre, s'il te plaît ? Tiens, tu es là, Sanji. Tu as dû entendre notre conversation, alors. Comme tu dois le savoir, les étoiles vœux sont de mystérieuses pierres accrochées au poignet Dynamax. Mais transformer les Pokémon en géants n'est pas le seul atout des étoiles vœux. En elles sommeille une énergie incommensurable. Tu sais quoi ? Je viens d'avoir une merveilleuse idée. Suis-moi jusqu'au stade, je vais t'apprendre tout un tas de choses fascinantes sur l'énergie de Galar. Ouais, mais ça sera dans le prochain épisode. D'ici là les amis, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode de Pokémon Bouclier. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à commenter. Et on se retrouve à bien écouter demain pour la suite. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao !